Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog, même s'il n'y a pas trop de partie artistique, je dirais, pour l'instant. Mais bienvenue dans un nouvel épisode de vlog, on va dire. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, il y a surtout des vidéos sur la mode, avec des hauls et des idées de tenues, des choses comme ça, surtout sur la seconde main. Et de temps en temps, il y a des vidéos sur ma vie, de manière générale. Et normalement, sur l'illustration, même si c'est vrai que ces derniers temps, ça a été un peu délaissé. Et voilà, je vous fais un peu la promesse dans cette vidéo que ça va revenir normalement. Il y aura de plus de contenu sur l'illustration que ces derniers mois. Et donc je suis contente de pouvoir revenir un petit peu à ça. Du coup, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans un vlog en mode voix off et tout, donc je sais pas trop ce que je vais dire, j'ai pas prévu vraiment de trucs spéciaux à dire à l'avance, enfin j'ai pas de script quoi. Je pense que je vais juste un peu vous raconter ce que je faisais ces derniers temps. Du coup, au mois de mai... ce jour-là, j'avais filmé une vidéo d'idées de tenues, qui étaient des tenues que j'avais beaucoup aimé porter ces derniers temps. Donc c'était une vidéo de mode, mais qui me tenait assez à cœur parce que il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Et même au niveau de mon style, je sens que je m'épanouis un petit peu plus avec ma garde-robe qu'il y a quelques temps. Et donc c'était une vidéo avec des tenues que j'aimais beaucoup porter. Donc après c'est tout le rangement en gros post-tournage on va dire qui peut prendre un certain temps, honnêtement en plus de ça j'aime vraiment pas laisser traîner donc généralement j'enchaîne vraiment direct sur le rangement pendant que mes fichiers sont en train de se copier sur l'ordinateur, que mon logiciel de montage s'allume etc. Je trouve que c'est un bon moyen de patienter pendant, parce que mon ordinateur est un peu lent donc c'est pas mal, ça me fait un truc à... pour m'occuper en attendant. J'ai eu l'occasion de partir avec des amis en Normandie pour un week-end. C'était vraiment très très chouette. J'y étais jamais allée. Je m'en rappelle pas du tout, mais je crois pas que j'étais allée en Normandie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très très beau comme région. C'était un week-end très sympa. On a croisé plein d'animaux et plein de bébés animaux. Lou est heureuse en fait quand elle voit des bébés animaux. Donc, des bébés animaux. Ouais, voilà. Puis ensuite, je suis allée pendant une petite semaine chez mes parents en Dordogne. Et là encore, c'était très très cool. C'était vraiment une grosse semaine de verdure pour moi. Donc c'était bien, ça m'a fait du bien. La dernière fois que j'étais partie, je crois que c'était au mois de mars, donc en vrai c'était il n'y a pas si longtemps que ça, enfin c'était il y a deux mois et demi peut-être. Donc c'était assez récent au final, mais voilà, j'étais très contente de pouvoir partir à nouveau et tout, comme il y avait eu un long week-end et tout, j'avais pu poser quelques jours. Et voilà, et j'ai dû y aller en car, ce qui était assez, c'était vraiment une épopée quoi. Parce que le car met vraiment beaucoup plus de temps que la voiture, mais c'était très très chouette, c'était marrant.
Et ne soyez pas surpris, dans 3, 2, 1, on retourne à Paris et ça va être bruyant. Je vous préviens tout de suite. Les amis, j'adore la pluie, mais j'avoue que là, mon pantalon n'est pas bicolore, quoi, à la base. Je vous jure, je pèse vraiment 3 tonnes. Genre là, j'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos d'eau. Et mes chaussures sont censées être marron clair aussi. Voilà, comme là. Et je vous dis pas l'état du reste de mon corps, qui est absolument trempé. Voilà, c'était une petite anecdote à Metz. Ce qui était drôle, c'est que j'étais la seule à marcher dans la rue. Les gens étaient abrités, tu vois, ils avaient peur de fondre. Je pense qu'ils étaient en sucre. Mais, mais c'est tellement drôle, je suis morte. Voilà, ça sort de nulle part, ça ne dit rien d'intéressant, mais c'est drôle. Sinon, bien évidemment, je passe tout mon temps à la laverie maintenant que je n'ai plus de machine à laver dans mon appartement. J'ai hâte de pouvoir m'en acheter une petite pour mon anniversaire. Parce que en fait, j'ai une arrivée d'eau dans mon appart, mais j'ai pas de machine. Mais il y a le place d'en mettre, mais une vraiment toute petite, genre vraiment une de camping, quoi, en gros. Et voilà, et j'ai vraiment hâte d'avoir ma propre machine. Parce que déjà, le lavomatique, ça coûte cher. Et en plus, c'est quand même assez contraignant, et quand il pleut, et quand il fera froid, je pense que j'aurai d'autant plus la flemme d'y aller. Et déjà, quand il pleut, je trouve que c'est un peu galère, parce que t'as séché tes vêtements dans le sèche-linge, et tu dois taper la pluie au retour, tu vois, t'es un peu déçu. Donc ouais, j'ai hâte d'avoir ma machine. Je me rends bien compte que c'est un luxe, hein, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même agréable. Sinon, vous pourrez le constater dans les prochaines minutes de ce vlog, mais je ne suis toujours pas une grande cuisinière et j'en ai toujours pas envie. Déjà, franchement, les gars, je vous jure que là, c'est des plats les plus élaborés que je puisse faire, quoi. Des toasts d'avocat, un croque-monsieur. Non, c'est même pas un croque-monsieur. Comment ça s'appelle? Un cordon bleu. Et voilà, je suis franchement à mon potentiel maximum parce qu'il y a quelques temps, j'aurais juste mangé le cordon bleu. Donc là, on est vraiment sur déjà un truc un peu plus varié, tu vois. Mais j'ai bien conscience que voilà, c'est pas mon point fort dans la vie et je n'aime pas plus que ça cuisiner. Donc voilà, vous le verrez sûrement dans ce vlog et dans les prochains vlogs. Et voilà. Et y a une abonnée qui m'a dit « Normalisons les femmes qui ne cuisinent pas ». Et je suis là « Oui, merci !» Parce que purée... En plus, c'est pas juste que voilà, je ne sais pas cuisiner, c'est que je n'aime pas ça, vraiment. Je n'aime pas ça, ça me procure autant de joie que faire la vaisselle, vous voyez. Vraiment, je n'aime pas ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas une activité qui me procure plus de joie que ça. Faire un gâteau, ouais, parce que c'est plus rigolo, mais alors cuisiner un plat, non, franchement, ça ne m'amuse pas plus que ça, quoi. Je le fais parce que. Enfin, je veux dire, je fais le strict minimum parce qu'il faut se nourrir, mais voilà. Si ça pouvait s'arrêter là.
Et là, vous me voyez en train de manger sur ma table d'appoint. En fait, je n'ai pas encore de table. Je l'achèterai le mois prochain, je pense, ou le suivant. Je ne sais pas encore quand j'aurai bien fait mon budget et tout pour les mois qui viennent, parce que je vais avoir des petits changements financiers que je vous annoncerai un peu plus tard, je pense. Bref, je m'achèterai une table plus tard quand j'aurai vraiment les sous que... Enfin, en fait, je préfère dépenser pour me faire des trucs plus plaisir en attendant. Oh, ça veut rien dire cette phrase, mais bref. Donc, pour l'instant, voilà, ma table d'appoint et ma chaise d'appoint, qui est mon lit, slash mon canapé, slash mon bureau des fois, slash ma table. Ensuite, j'ai décidé d'aller au parc floral à Vincennes. C'est un parc dans lequel j'étais déjà allée il y a quelques années et que j'avais adoré, et j'y étais jamais retournée, je sais pas trop pourquoi. Bon, déjà, c'est payant à cette période de l'année, mais c'est pas cher, hein, mais genre, peut-être que c'était pour ça que j'y étais jamais retournée, mais c'était 1,50€ en tarif réduit, et je crois que c'est 2,50€ hors tarif réduit. Voilà, c'est un parc que j'aime beaucoup, il est immense, et il est vraiment très très beau, et je sais pas, il y a des petits côtés un peu, même si c'est assez travaillé et tout, il y a des petits côtés un peu forêt qui sont très agréables, ça sent très bon. Et voilà, ça sent vraiment... Je dirais, il y a des parcs où, à Paris, où ça sent rien de spécial, vous voyez ce que je veux dire, genre, parce que la pollution, elle rentre quand même là, il y a quand même une odeur de verre, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce parc, je pense que j'essaierai d'y aller plus souvent. Là, j'y étais vraiment allée pour me balader, donc je suis pas restée hyper longtemps, parce que déjà, je commençais à être fatiguée et à avoir une migraine, en plus. Mais je planifie d'y aller, je pense, avec un livre ou deux, ou même ma tablette pour dessiner ou un carnet. Enfin bref, de me poser là-bas et tout. Surtout qu'en plein milieu de journée, en vrai, il n'y a pas trop de monde. Enfin, je veux dire, il y a plein de bandes libres, quoi. Il y a quand même des gens, c'est pas désert, mais voilà. Il y a quand même de la place pour s'asseoir et tout. Et voilà, mais je pense que je me prendrai peut-être l'abonnement annuel, parce que je crois que ça revient vraiment moins cher. Enfin, genre, si j'y vais souvent, ça sera plus vite rentable de prendre comme ça. Regardez-moi la taille de ces feuilles, qui sont absolument gigantesques. Quand j'ai posé ma main dessus, c'était un peu rugueux et pas très agréable, donc j'ai fait un petit mais immense. J'avais une petite commande Etsy à préparer, donc je me suis dit que ça me remettrait un peu le pied à l'étrier de vous montrer quand même que je fais des choses artistiques. Ma boutique est toujours ouverte, au fait. Je l'avais fermée quand j'étais en vacances chez mes parents, mais voilà, elle est ouverte. Hein. Voilà. Je vais essayer de refaire un peu plus de promotions et tout. Déjà, il y en aura pour les soldes d'été, je pense. J'ai pas encore décidé le niveau de solde que je vais mettre et tout, mais il y aura forcément des petites réductions, des petits lots, enfin des trucs comme ça. Et je vais essayer de faire un peu plus de pubs sur Instagram. Normalement, j'aurai plus de temps pour faire ça. Donc voilà, vous serez un peu plus au courant en fait de ce qu'il y a sur la boutique. Voilà, vous rappelez ce qui reste, les stocks, etc. Surtout pour les produits qui sont plus uniques ou stock limité, on va dire. Donc voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne l'aviez pas encore fait. J'en ai deux, donc j'ai l'Instagram perso qui est Pocket Tiger, mais j'ai mon Instagram d'illustratrice qui est Lou Darac.
Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Voilà. Enfin, c'était l'heure d'aller justement poster la petite commande ainsi que deux petits colis Vinted. D'ailleurs, pareil, j'ai rajouté pas mal de choses sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Ça me fera en plus extrêmement plaisir, en plus de me soutenir. Donc, merci d'avance. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et voilà, bye !